Les Camerounais sont trop frustrés. On vous attend sur des vrais débats. Nous, là, on vous attend sur des vrais débats. Le Cameroun est le premier pays le plus vendu au monde. Vous dites que nous, on a vendu notre pays, non? Vous avez dit ça. Laissez le discours de Tamzi, là. Parce que pour fuir vos responsabilités face au débat ivoirien, mais vous nous envoyez ici des débats prolétaires. Des débats de pauvres. Quand Tamzi, là, il n'est pas ivoirien. Hein? Rendez-nous notre enfant. Mais prenez-le. Rendez-nous notre enfant. Hein? Tamzi, c'est un Camerounais. Tamzi, là, même sur le pirige. Il dit sur le pirige. On lui va au Cameroun, va refuser. Venez ici des débats. Parce qu'il y a une audite qui est sortie sur le pays les plus vendus en Afrique. Mais est-ce que vous nous voyez parler de ça? Nous, on ne parle pas de ça. On fait comme si on n'entend pas ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas envie de frustrer encore le Cameroun. On n'a pas envie de frustrer le Cameroun. Déjà que vous êtes à terre, on veut vous aider encore à être plus bas que terre. Pourquoi? Sinon, il y a une doute qui est sortie. Les pays qu'on vend, en tout cas, les pays les plus vendus en Afrique, le Cameroun au premier rang. Premier rang, c'est-à-dire que les gens, le pays où ils ont payé tout, il n'y a plus rien pour les citoyens. Où les étrangers sont venus, se sont accaparés de tout. Le premier pays, c'est le Cameroun. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens rentrer dans ce débat-là avec vous? On ne veut pas vous frustrer, on ne veut pas vous blesser. On ne veut pas encore que vous vous sentez mal. Parce que déjà que vous êtes en manque de développement. Vous avez un gouvernement qui est là depuis 40 ans. Depuis 40 ans, ils ont amassé, ils ont pris des prêts à ne point finir. Ils n'ont pas travaillé pour le pays. Et encore, on nous sort une audite. Et l'audite a dit que vous êtes le pays le plus vendu en Afrique. Mais nous, là, quand nous on entend ça, là, même si on n'est pas de votre pays, là, nous on a mal. On a mal parce qu'on ne comprend pas. Parce que quand tu vends tes terres à tout le monde, là, c'est pour que le développement y suit. Quand tu vends tes terres à tout le monde, c'est pour que le développement y suit. Mais vous êtes bas que terre. Il sait que ça, là, deux jours, vous donnez. Il sait que deux jours, là. Vous êtes bas que terre. Et ce débat de Tamzi, vous nous sortez que Tamzi, là, il n'est pas ivoirien, les Camerounais. On s'en fout qu'il soit Camerounais. Hey, on s'en tape qu'il soit Camerounais. Tant que ce son là, ça a été fait par des jeunes Ivoiriens. Il était juste le beatmaker. Famille, partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. J'ai deux mots à dire à ces gens là. Quand on parle des Allemands, ils ne viennent pas sur des débats profonds. Pourquoi on peut se mesurer? Pourquoi on peut se mesurer là? Venez sur des débats profonds. On va vous filmer. Si vous venez sur des débats profonds avec nous, les Ivoiriens, on vous filme pour juste qu'ils apparaissent. Voilà. À tous les niveaux. Et vous venez avec les histoires d'artistes. Un pays où il y a Alpha Blondie. Vous nous parlez de Tamzi. Un pays où il y a Tikenja. Vous nous parlez de Tamzi. Un pays où il y a Dobé Nyaoré. Vous nous parlez de Tamzi. Un pays où il y a eu DJ Arafat. C'est-à-dire que quand les Ivoiriens chantent chez eux au pays, là, c'est-à-dire que quand nous on chante, là, notre musique, là, c'est-à-dire que les excréments de notre musique, là, mais c'est ce qui est déversé au Cameroun. Tout ce qu'on fait là, c'est ce que vous dansez au Cameroun. Vous avez vu un Ivoirien danser un bolé. Vous nous avez vu danser un bolé un jour. On ne peut pas danser ça. Vous nous avez vu danser vos danses que vous créez là-bas. Vous nous avez vu danser en Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut rien du Cameroun. Nous, un pays où les gadgets, famille, citez-moi les stars en Côte d'Ivoire, pour qu'ils comprennent que Tamzi, là, c'est encore du sable, un grain de sable au bord de la mer en Côte d'Ivoire. Hein? Tamzi, c'est un grain de sable au bord de la mer en Côte d'Ivoire. On s'en fout qu'il soit Camerounais, faut que ça soit clair dans vos têtes. On s'en fout qu'il soit Sénégalais. Hein? Maintenant, s'il veut user de sa nationalité pour frustrer les Ivoiriens, là, mais. La lecture de l'heure sera salée. Oui, parce qu'un Ivoirien s'est mis en haut. Hein. Nous, on sait faire ça. On te prend, on te met en haut à un piédestal. Et puis quand on te dépose, là, c'est ton dos, tes fesses, ton bras, tout par tes bagailles. Et quand où tu as couché, tu ne peux plus te lever. Donc ne venez pas nous rappeler que Tamzi, qu'il soit Camerounais ou pas, franchement, on en a que faire de ça.
On a des grands artistes, on a Yodé Siro au pays. On a des grandes personnes. Tamzi, c'est rien du tout.